Eh bien, salut à tous les amis, c'est Star Gaming et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Who Must Die. Donc voilà, donc un nouveau jeu tout simplement sur PC car ça faisait un moment où dans ce jeu tout simplement on est un médecin qui va devoir tuer un patient sur trois, donc voilà, qui a un virus, et à l'autopsie on verra si on a tué le bon patient ou pas. Donc voilà, donc si la vidéo vous plaît, seems to be infected with this new plague. We have here three patients, but due to the nature of the virus, we are unable to determine which of the patients is infectious. One of them is most definitely infectious. It is up to you to determine who this is. Voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. On va devoir trouver le bon patient à tuer. Any eventual wrong diagnosis is, of course, your responsibility. Donc moi j'y ai déjà un peu joué. Je sais que là-bas il y a un code. Mais je sais plus lequel c'est, je crois que le code se trouve dans la chambre. Alors là, qu'est-ce que c'est? Anatomie 101, d'accord. Donc là, on est dans le lieu de l'ancien médecin qui avait pas assez de compétences. Et donc, je crois qu'il a été viré, un truc comme ça. Et donc, voilà. Alors, ah oui, je crois que c'est ça le code. 1204, si je me trompe pas. Un truc comme ça. Ici c'est fermé. Donc voilà, donc ça faisait un moment les vidéos PC. Alors si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas un petit pouce bleu, puis voilà. Donc là c'est le plan que j'ai déjà vu. Nous on est ici. Ah par contre, je fais un peu peur l'endroit. Là il y a une caméra. Alors ici c'est l'endroit où il y a les trois patients. Il y a le patient, je sais pas combien. C'est même pas marqué à côté les numéros. Il y a le patient, je sais pas combien. Et le pire pour moi, je trouve, celui qui a l'air le plus fou, c'est celui... Attendez, c'est celui-là. Voilà, qui est attaché. Après, c'est pas forcément lui qui a le virus. C'est juste peut-être que ça l'a rendu fou de rester enfermé. Bon, on va continuer. Donc voilà, il y a le code du bureau. Donc si je me trompe pas, c'est ça. 12-0-4. Dis-moi que c'est ça. Oui! Allez, parce que j'avais déjà un peu vu. Voilà, là je suis dans mon secteur, là c'est mon bureau des abos. Donc là, vous avez les trois patients. Patient 1, patient 2 et patient 3. Et là il y a les gardes. Donc alors, ça c'est les trois patients, ça c'est le gardien, je peux lui demander d'aller voir n'importe quel patient. Donc, et on va voir leur réaction. Moi de trouver voir lequel c'est. Donc voilà, je suis inspecteur Star Gaming. Donc c'est parti. Donc je vais mettre une musique calme. Alors une douce mélodie, qu'est-ce qu'il fait? Oula, lui il se lève. Lui il danse tout seul. D'accord. Lui il danse tout seul, il m'a l'air un peu taré, celui du milieu. Lui il s'est reposé. Et lui il a rien foutu, hein. Ah lui ça là bas, lui il s'en foutait de la musique, lui il a pas bougé, lui il a dansé tout seul et lui il s'est levé. Ok, maintenant on va mettre une musique, ouais, on va mettre une musique, wow, musique de rock. Alors voyons voir, oh là lui il bouche les oreilles, lui aussi il aime pas. Lui, ça le rend un peu fou. Celui du milieu, il est pas content. Hein. Il se bouche les oreilles. D'accord. Ça y est, c'est fini. Ah ouais, c'est fini. D'accord. La musique, ça les a un peu stimulés. Surtout lui et lui. L'autre, il a pas trop eu de réaction, à moins que j'ai mal vu. Donc là, c'est le couloir que vous avez vu. Là. On va mettre du gaz. Je suis un bâtard. On va mettre du gaz déjà les amis. Allez, on va. Est-ce qu'on peut leur parler? Bon, on va mettre du gaz pour voir si ça les fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui! C'est un malade! Il est en train de gueuler! L'autre, il est en train de dépérir, il est en train de crever. Lui, il est en train de... Ouais, il est vraiment pas bien. Et lui, c'est un peu levé, mais lui, c'est un malade. C'est lui le patient qui a le virus.
c'est un grand malade, ce mec. Vous avez vu comment il a gueulé? Il a voulu taper la caméra. Et encore lui, il devenait un concombre. Il comprenait rien, là, il était dans les vapes. Et lui, il s'est un peu levé. Je vais, vu qu'il m'a énervé le premier, je vais demander au garde d'aller voir le premier patient. Voilà, viens, on va voir le garde à partir. Allez, viens, viens. Va calmer le patient, hein, parce que là, il est devenu malade, il a voulu défoncer la caméra. Et ça, c'est inadmissible dans ma clinique. Je sais même pas ce que c'est un labo, je sais même pas ce que c'est. Ah, on le voit arriver. Il va passer un sale quart d'heure. Le numéro 1. Il va se scanner. Il a son petit bâton. Les autres toujours tranquilles. Celui du milieu, il a été calme. Et l'autre s'est un peu levé, mais lui, il a pris un câble. Ah. Oh. Ouais. Voilà. Je te calme maintenant. Allez, frappe-le. Ça serait bien, mon gardien. Fier de toi. Ça la prendra. Lui juste il a l'air pas très bien vu qu'on l'a on vient de le taper. Et bien mon garde. Et laisse bon, laisse-le. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors les abos. Ça c'est cool. Parce que, mais je peux vraiment pas leur parler. Non, je peux pas. On va lui remettre de l'autre gaz là. C'est pour enlever le gaz? Sporifique gaz. Ah, je crois que c'est pour enlever le gaz. Ah, j'hésite les abos parce que quand même, le... Tranquilize. Ah, voilà, diffusion de gaz. On va voir comment ça se passe. Avant, c'était le gaz un peu fort. Là, c'était le tranquillisant. Wesh, lui, il se couche! Oui, oui, oui! D'accord. Lui aussi. Oh, lui, c'est un concombre! Je suis étalé. Lui, c'est un concombre. Ok. Lui, non, lui, il est pas très bien. Ça va, il s'est relevé. Ah, mais lui, il est mort, hein. Et là, il bouge un peu. Les deux, ils sont pas bien. Putain, c'est dur, les abos. Ah, c'est dur de trouver quel est le bon patient. Et ça y est, il se relève. Est-ce que j'appelle le garde ou pas? It seems we're having problems reaching our orderly. He's not responding. Wesh, wesh! Mais il s'est barré, le gardien! Putain, fait chier. Et j'ai cru qu'il allait défoncer la porte. J'ai eu peur. Là, par contre, les amis, vous voyez, regarde. Ça se voit trop que là, c'est des vraies images de la mort. Bon, continuons. Ah, j'ai un diplôme. Bon, alors, voyons voir. Là, franchement, les amis, c'est difficile. Je dois choisir entre lui ou lui. Ah, je sais pas. Moi, je pense que c'est lui, hein. Je pense franchement que c'est lui. Parce que c'est le plus taré de tous. C'est vraiment le plus taré. Là, c'est quoi ici?
Là, il y a le patient numéro 2, il s'appelle Thomas, il est né en 1923, putain, ça veut dire c'est vieux. Des mots sur la voie publique, comportement suspect, secret à plusieurs patients. Ah oui, lui, c'est le antécédents médicaux. Ah oui, lui aussi, en fait, il peut avoir peut-être un. Ah là là, c'est difficile, putain, les babos. Si je dois choisir, moi, à la fin. Attendez, c'est quoi ça? La famille Winston. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je peux pas. Comment je dois faire pour choisir après un patient que je veux buter? Ah, franchement, c'est difficile, les amis. Moi, je pense quand même que c'est le patient numéro 1. C'est quand même un trop taré. Il semblerait que les patients contaminés aient des accès de rage. La merde, voilà. Bon bah voilà hein, les amis, je sais pas qui butait, hein, moi je vous le dis. Ah j'hésite. Moi en vrai je pense que c'est le patient numéro 1. Ouais ça doit être le patient, malgré la tête du fou. Après là, banquier, travail assidu, célibataire. Donc on voit le 1924, mais il n'y a pas de photo, non? Et qui est là? Et là, peu de temps pour être avec sa famille, de rester au travail. Ah ouais. Donc lui aussi, il a l'air pas mal au niveau de taré, peut-être. Ah, c'est difficile, les abos! Ah là là, je sais pas ce que je dois faire. Puis je sais même pas comment buter les patients. C'est bien beau de vouloir en buter un, mais... Oh, tu sais pas les buter, c'est un peu compliqué. Y'a pas un truc là ici par exemple? Non. Ah si. Des voitures brûlées la nuit dernière, la faute de l'épidémie. Attendez, Fourbourg de Rochelle, violent. Attendez, c'est une marche de violence. Là, c'est Royton. Minéa. Burry, un truc comme ça, d'accord. Lui, il est à. Rochald. Attends, Rochald, c'est pas par l'endroit où il y a eu le feu. Et lui, il est à Royton. Est-ce que c'est des villes à côté? Est-ce que c'est des villes à côté? Attendez. Faut être de Rochald! Rochald! Un truc comme ça, et lui. C'est lui qui fait de Rochald. C'est lui le taré. C'est lui le taré, c'est le patient numéro 2. Écoute, quel patient vient t'euthanasier? Bon, c'est parti. Patient numéro 2. Allez, j'ai peur de le faire. Oui. Very well. Thank you for your time. Come back to be escorted off of the premises. Putain, ça y est, patient numéro 2 va être assassiné. Je suis sûr que c'est lui parce que c'est lui qui a dû brûler les voitures. En plus, c'est dit, il a été taré avec les gens. Donc je pense que c'est le patient numéro 2. J'espère que j'ai fait un bon choix. Est-ce que j'ai fait un bon choix? Allez. Oh non, c'est lui le patient qui va mourir. C'est horrible quand même de voir quelqu'un mourir. J'aime pas. Je suis désolée pour les âmes sensibles. Regardez pas. Il est vraiment en train de crever. Dis-moi que c'était le bon patient. Dis-moi que c'était le bon patient. Je suis dégoûtée si c'est le mauvais. Et je suis vraiment désolée pour lui, même si c'est qu'un jeu. Ça y est, il est déjà mort, putain. Désolé pour les âmes sensibles. Hein. Je ne veux pas vous montrer de corps mort, mais voilà. Dis-moi que c'était le bon, s'il te plaît, les abos. Suspense. Suspense. Défaite. Quoi? La propagation de l'épidémie. Quoi? D'où c'était pas le bon?
Mais non! Mais non! Non! Attendez, alors c'est le patient numéro 1. Les abos, je veux réussir! Je vais mettre maintenant le patient numéro 1. Putain! Mais pourtant, c'était lui qui était près de Rochelle! Non? Et en plus, ça a été dit un feu. Good morning, doctor. You have been contracted due to the incompetence of your predecessor. As you know, the sector of Berry seems to be infected with this new plague. We have here three patients, but due to the nature of the virus, we are unable to determine which of the patients is infectious. One of them is most definitely infectious. It is up to you to determine who this is. Now on, you are on your own in the sector of our facility. I'm listening. Which of the patients must be euthanized? Moi, je pense franchement alors que c'est lui. Ouais, c'est lui. Voilà, lui. Very well. Thank you. Voilà, maintenant, on se barre. Come back to be escorted off of the premises. Allez, maintenant, on se taille. C'est lui qui va être euthanasié, puis c'est tout. Moi, je vais faire crever tous les patients pour savoir enfin lequel est bon. Si celui-là, c'est pas le bon, c'est lequel est le bon. Allez. Faut espérer que ce soit celui-là. Bon bah c'est reparti pour voir une mort hein, d'impatient. Désolé encore hein. Ding. Bonjour. C'est horrible quand même le pauvre. C'est comme ça que t'es euthanasié, je savais même pas. Il m'en dirait, il lui met un truc sur la tête. Ah, à part si c'est un truc électrique. Ouais, ça doit être ça. Ah, ça doit quand même être horrible, ouais. Ah, c'est horrible. Putain, j'aime pas voir ça, même si c'est qu'un jeu, c'est dégueulasse. Je suis désolée, dis-moi que c'était lui. Non, là par contre, je comprends vraiment pas, sinon je suis le pire médecin au monde, déjà que j'ai fait crever une personne. Là, je pète un câble. Je pète un câble. Allez. Allez. Quoi? Mais non. Mais non. Mais non. Sérieusement. Les abos, je suis le pire médecin. Bon bah les abos, vous savez ce que ça veut dire. On peut me mettre le record du monde de médecin qui a fait crever le plus de personnes. Donc c'était le patient numéro 3? C'est ça que tu vas me dire? Non mais les abos. Je suis vraiment le pire, mais alors morning, le pire doctor. Des médecins. Je vous avais dit un peu. Bon, là, par contre, je ne sais pas quoi ça veut dire, que ça change à chaque fois. You know, the sector of Berry seems to be infected with this new plague. On va pas voir des. We have here three patients, but due to the nature of the virus, we are unable to determine which of the patients is infectious. One of them is most definitely. Bon, là, je comprends pas si c'est pas le 3. Pourquoi le 3, même s'il avait l'air taré, j'étais sûr que ce serait pas lui. Determine which of the patients is infectious. I'm listening. Which of the patients must be. Là, je vais pas encore faire crever un patient. Very well. Je vais crever. Come back to non, bâtard, en fait, mon perso, c'est pire que ceux qui ont le virus, hein. Et après, on s'arrêtera là pour la vidéo. Vous avez. Vraiment, mon perso, c'est le pire. Hop. Voilà, allez, on se bat. Là, je comprends pas, sinon ça veut dire que ça change à chaque fois. C'est obligé, hein, parce que là, j'ai réussi sur 3 patients. Aucun, j'aurais réussi avant le bon. Franchement, je suis désolé pour vous, monsieur, il y a déjà deux de vos potes qui ont crevé. Bon, même si c'est qu'un jeu, quand même, ça veut dire que ça a été des images réalistes, hein. Parce que je pense que c'était des vraies personnes pour au moins les images. Désolé les abos de vous montrer ça. On ne regarde pas, on regarde. On ne regarde pas, on regarde. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, soleil. Non, bon, j'arrête. Voilà. Ah non, là par contre, je comprends pas. Je sens que ça va être marqué défaite. Je vois que ce mot maintenant. Et là, si je gagne, je suis mort de rire. Parce que j'aurais quand même buté 2 personnes avant. Attention. Défaite. Bon, ça veut dire qu'en fait, ça change à chaque fois. Je suis vraiment le pire des médecins. Bon, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur Woomas Study. Si la vidéo vous a plu, bah, n'oubliez pas un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à StarGaming.tv et mon TikTok StarGaming-du-Belgrade TV. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine.
Allez, ciao tout le monde.